صلوا على خير الأنام. كل من صلى عليه منا لا يضام. كل من صلى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous sommes toujours, donc aujourd'hui nous allons faire la leçon numéro 5 sur les intégrales impropres et surtout sur les transformations de Fourier. Nous avons donné l'exercice numéro 11. Dans cet exercice, nous avons fait la question numéro 1 et la question numéro 2. Il nous reste la question numéro 3. Donc on va vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Donc on a calculé, donc nous avons donné la fonction f de t égale 1 moins valeur absolue de t si t appartient à moins 1, 1, c'est égal à 0 si t est égal à appartient à moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Donc on nous a dit calculer f prime à l'aide de la fonction, on appelle ça la fonction porte. Donc la fonction g qui est égale à 1 si t appartient à moins 1/2, 1/2, est égal à 0 ailleurs. Bon, et après cela, donc, on a appliqué le 1 pour donc calculer la transformation de Fourier de la fonction f', de la dérivée. Donc, c'est ce qu'on a fait la fois dernière. Donc, je vous rappelle les résultats qu'on a trouvés, donc, rapidement. Donc, en rose, c'est la fonction f. Donc, en rose, c'est la fonction f, cette fonction-là. Donc, je vais la décrire en rouge ici, en rouge, la fonction f. Donc vous voyez, voilà, c'est la fonction que je dessine ici en rouge, f. Lorsque j'enlève la valeur absolue, donc elle est égale à m moins t, c'est la fonction f. Voilà. M moins t, si t appartient à l'intervalle 0, 1, ici 1, elle est égale à 0 ailleurs. Donc elle est égale à 0, donc 0 ailleurs. Elle est égale à 1 plus t, si t donc, appartient à l'intervalle moins 1, moins 1, 0. Donc elle est égale ici à 1 plus t. Elle est égale à 0 ailleurs. Ça c'est la fonction f. Ça c'est la fonction f. Sa dérivée, donc elle est égale à quoi? La dérivée, donc je vais la dessiner en bleu pour bien voir. La dérivée de la fonction, donc f' est égale à quoi? Est égale à moins 1. Si t appartient à l'intervalle 0, 1, donc vous voyez bien, est égal à moins 1. Donc voilà, je vais la dessiner ici, voilà. Moins 1. Elle est égale à 1 si t appartient à l'intervalle moins 1, 0. Voilà, donc c'est une fonction qui est discontinue. Discontinue, voilà. Voilà. Donc elle est égale à 0 ailleurs. Donc ici, donc voilà. Elle est égale à 0 ailleurs. Je la dessine en bleu ici. Ça, c'est la fonction f'. Donc, c'est cette fonction-là. Donc, en bleu, elle est discontinue ici. Et après, donc, elle est discontinue jusqu'à 1, donc une droite. Et après, donc, elle est égale à moins 1. Et après, elle est égale à 0. C'est la fonction f'. Ça, c'est la fonction f'. Donc, on nous dit exprimer f'. En fonction, f' en fonction de donc f' en fonction de la fonction g. Donc ça c'est f', donc ici bon, pardon. Voilà, en fonction de la fonction g, la fonction porte. Quelle est cette fonction g? G est égale à 1 si t appartient à moins 1/2, 1, elle est égale à 0 ailleurs. Bon, on a fait tous les calculs ensemble, donc la fois passée, on a fait tous les calculs ensemble. Donc, on a trouvé la relation suivante. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette relation.
Donc nous avons trouvé donc f prime de t, voilà, c'est cette relation-là. F prime de t est égal à g au point t plus 1/2 moins g de t moins 1/2. C'est cette relation qui nous intéresse. Donc à partir de cette relation, voilà, donc on l'a démontré. Donc on a trouvé donc la transformation Fourier de la fonction f prime. Donc puisque la transformation de Fourier, donc c'est une application linéaire. Donc f au point f prime est égal à grand f de la fonction g au point de t plus 1/2 moins grand f de, et puisque si t plus 1/2 si t moins 1/2. On applique donc la propriété en rouge ici, donc la transformation de Fourier donc de la fonction h de t qui est égal à f de t moins a est égal à, donc c'est la transformation de la fonction t moins a est égal à quoi, donc est égal exponentielle i de pi a, c'est le point a ici, donc voilà le point a, donc on le met avec l'exponentielle de la fonction f, donc au point s. Si on applique ça, parce que nous avons ici, donc c'est l'exponentielle, donc grand f de f prime, puisque f, on a dit que f prime est égal à quoi? Est égal à g de t plus 1/2, moins g de t moins 1/2. Donc on applique la relation, donc la linéarité de la fonction de Fourier, on trouve grand f au point f prime, de la fonction f prime au point s, c'est l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle. Je l'applique, puisqu'ici, c'est quoi? C'est là, j'ai ici, moins 1/2, et moins 1/2. Donc j'obtiens l'exponentielle 2i pi multiplié par 1/2. C'est ça le a. Le a, il est là, c'est 1/2. Multiplié par grand f de g, moins l'exponentielle, donc grand f de g. Donc ceci est égal, donc on développe, on a développé. On a développé, donc et on trouve finalement, donc il y a le développement, donc je développe, cosinus, sinus, etc. Donc on trouve à la fin, grand f de g au point relation là, voilà. Le point est égal. Donc, or, bien sûr, on a déjà dans un exercice avant, on a calculé la transformée de Fourier de la fonction g, de la fonction porte. On la connaît, ça, c'est égal à sinus pi s divisé par pi s. Il faut revenir à la leçon numéro 3 ou bien 2, je ne sais pas exactement quelle leçon. Donc, dans les exercices, on a déjà calculé la transformation de Fourier de la fonction porte, donc la fonction g. Cette fonction, je vais vous la dessiner ici, donc c'est la fonction ici, moins 1/2, plus 1/2. Elle est égale, cette fonction, elle est égale à 1. Donc je vais la dessiner en couleur. La fonction g, c'est la fonction. Voilà. Elle est égale à 0 ailleurs. Ça, c'est la fonction g. Je vous rappelle que la transformée de Fourier, donc on a fait cet exercice, donc je vais le dessiner ici. Donc c'est la fonction, donc elle est faite comme ça, voilà. Comme ça. Ça, c'est la fonction. Grand f de g. C'est égal à sinus ps divisé par ps. Donc, puisqu'on a la relation ici, donc, est égal à 2i pi multiplié par 2i pi multiplié 2i, pardon, sinus pi s multiplié par f de g au point s, donc je multiplie par 2i sinus pi s multiplié par sinus pi s, donc pi s divisé par, bien sûr, pi s. Voilà. Donc, ce sont les résultats de la fois. Et enfin, donc, j'établis la relation. Maintenant, il y a la relation entre la transformée de Fourier et sa dérivée, donc c'est cette relation-là, grand f de f prime au point s, c'est égal à 2i pi s multiplié par la transformée de f au point s. Et de cette relation-là, je tire donc la transformée de Fourier de f, donc est égal à, donc f de f prime divisé par 2i pi s. Et je trouve, donc je fais le calcul, je trouve finalement grand f de f au point S est égal à sinus carré pi S divisé par, puisque je divise par, je mets, donc je simplifie, il me reste divisé par pi 2 S2, pi 2 S2. Voilà. Donc ceci, c'est un rappel des résultats de l'exercice numéro 11.
Donc, maintenant, on va passer donc, à la question numéro 3. Donc, on nous dit calculer G étoile G. La première fois, donc on va calculer. On nous dit calculer donc, la question numéro 3. Donc, je vais l'écrire ici. La question. On nous dit calculer d'abord G étoile G, la première des choses. Et après, montrer que G étoile G est égal à F. On va démontrer ça. On va démontrer ça. C'est-à-dire, deux fonctions sont égales, si et seulement si, quel que soit T appartenant à R, G étoile G est égal à F. On le connaît. F, je vous rappelle, F c'est quoi? F c'est la fonction. Je vous rappelle ici, F c'est la fonction. C'est quelle fonction? Nous avons F de T. F de T est égal à module de T est égal, donc si T, donc T appartenant à l'intervalle moins 1, 1, est égal à 0 ailleurs. C'est ça la fonction F de T. Maintenant, G, on la connaît, G, la fonction G, on la connaît, donc on va calculer G étoile G. Et après, on démontre que quel que soit T, on a G étoile G au point T est égal à F de T. Et après, on va faire la question qui vient après. Donc, nous allons calculer la convolution donc, entre G et G. Donc, G étoile G. Et après, on va démontrer que G étoile G égale F. Bon. Donc, nous allons donc commencer notre calcul. Donc, par définition, nous avons G étoile G au point T est égal à donc l'intégrale généralisée moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, la première fonction de T moins U multipliée par la deuxième fonction G de U du. Voilà. N'oublions pas que la fonction G, il faut savoir que voici le graphe de la fonction g. Donc, regardez bien. Donc, entre moins 1,5 et plus 1,5, donc la fonction g, elle est égale à plus 1. Voilà, ça c'est là. Et après, elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, qu'est-ce qu'il reste dans l'intégrale moins l'infini jusqu'à plus l'infini? Parce qu'il y a. Il n'y a que la fonction g. Donc on obtient ici donc, cette intégrale. Donc on obtient g étoile g au point t est égal là. Donc il reste seulement de moins 1,5 jusqu'à plus 1,5. Donc g de t moins u. Et g de u l'autre, elle est égale à 1. Donc ici, du. Donc nous allons donc effectuer un changement de variable. Donc on va poser ici donc pour calculer cette intégrale. Donc on va poser ici donc on va poser donc v est égal à t moins u t moins u. Et vous constatez que lorsque donc t u est égal si u est égal à moins 1,5, ceci m'implique que premièrement ici nous avons dv, bien encore ici, dv, ou bien, allez, du est égal à moins dv, est égal à moins, lorsque je fais le changement, je remplace du par moins dv, parce que vous avez ici, moins u est égal à v moins t, et u est égal donc t moins v, t moins v. Donc vous avez du est égal à moins dv. Et les bornes, maintenant les bornes, lorsque u est égal à moins 1,5, donc v est égal à quoi? V est égal à, donc v est égal à t, lorsque u est égal à moins 1,5, donc est égal à t plus 1,5. Et lorsque u est égal à 1,5, vous avez donc v est égal à t moins 1,5. Finalement, notre intégrale est égale à quoi? Donc, nous allons voir. Donc, je calcule cette intégrale. Donc, bon, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Et je vais terminer le calcul ici. Donc, vous avez ici, nous avons ici
j'ai étoile G, j'ai étoile G au point T, en faisant ce changement de variable, en faisant V égale T moins U, donc l'intégrale, donc moins 1/2, donc V, nous avons dit que est égal à T plus 1/2, T plus 1/2, lorsque U égale 1/2, donc V est égal à T moins 1/2, donc F, G de T moins U, c'est-à-dire G de V, et enfin DV, donc DV, est égal à DU est égal à DV moins DV, donc moins. Je change les bornes d'intégration, ceci est égal à, donc j'enlève le moins, donc c'était moins 1/2, jusqu'à T plus 1/2, G de V, DV. Pardon, ici, à quoi est égal maintenant G de V est égal à quoi? G de V, donc G de V est égal à 1. Donc ceci est égal à... Et ceci, donc, est égal à quoi? Donc est égal à... Donc V entre T moins 1/2 et T plus 1/2. T moins 1/2 et T plus 1/2. Donc je vais changer, donc je vais effacer ça. Ceci est égal à quoi? Est égal, ceci est égal à. Donc nous avons G étoile G au point T est égal à, donc est égal à. Donc T, T plus 1/2 moins T moins 1/2. Et ceci est égal à, donc ceci est égal à. Donc T plus 1/2, T plus 1/2, moins T, donc T moins T est égal à 0, donc E plus 1/2 plus 1/2 est égal à 1. Bon, ici, on a précipité un peu les choses, donc ceci, donc, c'est pas toujours vrai, donc ça dépend, donc on est arrivé là, donc on est arrivé là, donc voilà. On va essayer donc. Regardons bien. Regardons si maintenant ça dépend de où est-ce qu'il est situé T moins 1/2, T plus 1/2. Ça dépend de la valeur de T. Donc nous avons, premièrement, nous avons T. T parce qu'on va comparer avec la fonction. On va comparer G étoile G avec la fonction F. Avec la fonction F. Nous allons comparer G étoile G avec la fonction F. N'oublions pas que la fonction F, elle est égale à quoi? Donc, la fonction F. Donc, elle est égale, notre fonction. Donc, ça dépend. Donc, elle est égale à, la fonction est égale à 0 ici. La fonction F. 0 ici. 0 ici. Et entre moins 1 et plus 1. Donc, ça dépend. Donc, elle est égale à 1 plus t ici est égal à 1 moins t ici. Ça, c'est la fonction f. La fonction f. Le but, c'est de démontrer que g étoile g est égal à f. G étoile g, nous allons démontrer après que g étoile g, elle est égale à la fonction f. Deux fonctions, donc nous allons démontrer que quel que soit t appartenant à r, nous avons g étoile g de t est égal à f, est égal à f de t. Donc pour démontrer ça, donc nous allons prendre t plus grand que 1, nous allons démontrer que g étoile g est égal à 0, puisque f de t est égal à 0. Nous allons prendre t plus petit que moins 1, et nous allons démontrer que g étoile g de t est égal à 0, donc est égal à f de t. Nous allons prendre t compris entre 0 et 1, et nous allons démontrer que g étoile g de t est égal à 1 moins t. Et nous allons prendre t compris entre moins 1 et 0. Et nous allons démontrer que g étoile g de t est égal à 1 plus t. 1 plus t. Voilà.
Donc nous allons faire ce travail-là. Donc c'est un travail donc d'analyse qu'on fait donc de façon simple et de façon, mais c'est ça le but. Le but c'est ça. Donc on va prendre, suivant les valeurs de t, plus grand que 1, plus petit que moins 1, compris entre 0 et 1, et compris entre moins 1 et 0. À chaque fois, on va trouver donc ces valeurs-là. On va trouver ces valeurs-là. Bon. Donc nous allons commencer par t. Donc t supérieur à 1. Voilà, on commence par cette valeur-là. Donc si t plus grand que 1 implique t moins 1/2, il sera donc supérieur à t moins 1/2, il sera supérieur. Pardon. T plus grand que 1. Pourquoi j'écris t plus grand que 1/2? T plus grand que 1 implique t moins 1/2. Il sera supérieur à, donc, à 1 moins 1/2, c'est-à-dire à 1/2. Voilà. Maintenant, et je vais donc t plus 1/2, t plus 1/2, il sera supérieur à t plus 1/2, il sera supérieur à, donc, t plus 1/2, donc il sera 1 plus 1/2, donc à 3, à 3/2. Donc nous allons dessiner donc ce cas-là. Voilà. Vous avez des valeurs remarquables. Donc vous avez moins 1/2 plus 1/2. Nous avons t moins 1/2 est strictement supérieur à 1/2. Donc ici, c'est t moins 1/2. Et t plus 1/2, il est strictement supérieur à 3/2. Donc à 3/2. Donc ce sera t ici plus 1/2. Il est strictement supérieur à 3/2. Donc il est strictement supérieur à 1/2. Donc l'intervalle t moins 1/2, lorsque t est strictement supérieur à 1, l'intervalle t moins 1/2, t plus 1/2, donc il sera donc à l'extérieur. Donc il sera à l'extérieur de l'intervalle moins 1/2 plus 1/2. Donc situé à droite. J'ai fait l'émile, là, c'est l'intervalle moins 1/2 plus 1/2. Ça implique quoi dans l'intégration? Donc nous avons ici, dans l'intégration, vous avez l'intégrale, donc t moins 1/2 jusqu'à t plus 1/2. Donc g de v de v est égal à quoi? Est égal à quoi? Puisque ici, cette intégrale, donc cet intervalle, donc il n'appartient pas à l'intervalle, donc il n'est pas situé dans l'intervalle. La variable, donc, elle est à l'extérieur de moins 1/2 plus 1/2. Donc g de v égale 0. Donc ceci est égal à 0. Donc, conclusion. Donc je vais écrire la conclusion ici. Si t est strictement supérieur à 1, nous avons G étoile G de V de T, pardon, de T est égal à 0. N'oublions pas que c'est la même valeur que f de la fonction f de T, elle est égale à 0 si T est strictement supérieur à 1. Donc ça, c'est le premier résultat. Voilà. On va considérer maintenant le deuxième cas, t strictement inférieur à moins 1. T, donc t strictement inférieur à moins 1. Normalement, on devrait avoir g étoile g aussi est égal à 0. Bon. Nous avons dans ce cas-là, si t est inférieur à moins 1, ceci m'implique que t moins 1/2, il sera inférieur à, donc moins 1 moins 1/2, c'est moins 3 demi. Et maintenant, et, donc je vais écrire ici, et t plus 1/2, il sera inférieur à, donc moins 1 plus 1/2, c'est inférieur à moins 1/2.
Donc moins 1 plus 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Donc je vais dessiner ça, voilà. Voilà. Vous avez l'intervalle moins 1 demi plus 1 demi. Et l'intervalle, donc t moins 1 demi, moins 1 demi, vous avez ici moins 3 demi. Donc t moins 1 demi, strictement, il est là, regardez. Ça, c'était moins 1 demi. Et t plus 1 demi, donc il devrait être ici, quelque part ici. T plus 1 demi. Donc la même chose, il n'appartient pas à l'intervalle moins 1 demi plus 1 demi, donc il est égal à 1. Ailleurs, elle est égale à 0, la fonction. Donc ceci m'implique que l'intégrale de t moins 1 demi jusqu'à t plus 1 demi de la fonction ici, g de v dv, elle est aussi égale à 0. Ceci, 0, c'est aussi égal à f de t. Donc ceci est égal aussi donc à, on a calculé g étoile g au point. Voilà. Donc deuxième cas, donc on a démontré que si t est strictement inférieur à moins 1, donc on a g étoile g au point t, elle est égale à f de t qui est égale à 0. Le deuxième résultat. C'est le deuxième résultat. Bon. Troisième cas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme intervalle? Regardez, donc, on avait donc ici, donc, moins l'infini. Donc, nous avons, donc ici, moins 1, plus 1. Ici, plus l'infini. Donc, nous avons démontré que, donc, si t appartient donc, à cet intervalle-là, donc la fonction, cet intervalle-là, donc moins l'infini jusqu'au moins 1. Donc, ici, nous avons g étoile g de t est égal à 0. Donc, ici. Nous avons démontré aussi que si t appartient à l'intervalle plus 1 plus l'infini, donc nous avons aussi g étoile g de t est égal à 0. C'est égal aussi à f de t. Il nous reste l'intervalle, donc moins 1 plus 1. Donc nous allons le diviser en 2. C'est parce que nous allons comparer avec la fonction f de t. F de t est égal à 1 moins t dans 0, 1. Il est égal à 1 plus t dans moins 1, 0. Donc on va prendre d'abord 0 plus 1 et après donc moins 1, 0. Donc nous allons prendre dt compris entre 0 et 1. Donc c'est le cas qu'on va étudier maintenant. Et après donc on va prendre t compris entre moins 1 et 0. Donc t compris entre 0 et 1. Donc nous allons voir ici t. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que pour t moins 1 demi, donc nous avons t moins 1 demi, ce sera donc inférieur à 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi, et t plus 1 demi, t plus 1 demi, ce sera inférieur à t plus 1 demi, ce sera inférieur donc à 3 demi. Donc je vais dessiner ça sur, pour bien voir. Vous avez donc ici, nous avons ici moins 1 demi plus 1 demi. Donc vous avez t moins 1 demi est strictement inférieur à 1 demi. Donc il est là. Ça c'est t moins 1 demi. Et t plus 1 demi, donc, il est supérieur à, pardon, il est inférieur à
Il est inférieur à 3 demi. Bon, nous avons aussi, donc il faut bien voir ici que t est plus grand que 0. Donc si t, donc nous avons ici t plus grand que 0, alors nous avons implique que t plus 1 demi, t plus 1 demi, est strictement supérieur à 1 demi. Donc il est plus grand que 1 demi, il est plus petit que. Donc nous avons ici 3 demi. Donc vous avez ici 3 demi. 3 demi. Donc l'intervalle t moins 1 demi, t plus 1 demi sera là. Donc plus grand que 1 demi, mais plus petit que 3 demi. Ça c'est l'intervalle. Ça c'est l'intervalle. Voilà. T moins 1 demi, t plus 1 demi. Voilà. Donc la fonction, donc l'intégration, donc c'est simple, ici l'intégration. L'intégrale, regardez, l'intégrale de t moins 1 demi, t plus 1 demi, g de v, dv. Elle est égale à quoi? Donc j'intègre de t moins 1 demi, donc est égale à l'intégrale de t moins 1 demi, jusqu'à seulement 1 demi. Jusqu'à 1 demi. Parce que là, dans cette partie-là, elle est égale à 0. Donc jusqu'à 1 demi. Ce n'est pas jusqu'à t plus 1 demi. T plus 1 demi. Donc jusqu'à 1 demi. Donc ici, elle est égale à 1, la fonction g. Donc on a d, dv. Et ceci est égal. Donc je vais calculer v entre t moins 1 demi et 1 demi. Ce n'est pas t plus 1 demi. Ceci est égal à, donc ceci est égal à, donc 1 demi moins t moins 1 demi. Et vous remarquez bien que ceci est égal à quoi? Est égal à, donc 1 demi plus 1 demi c'est 1, donc c'est 1 moins t. 1 moins t. Donc, et ceci, je vous fais remarquer, lorsque t appartient à l'intervalle 0, 1, ceci c'est exactement est égal à f de t. Donc ici, dans cette portion là, donc on a est égal à m moins t est égal à f de t. Ici aussi, nous avons ici 1 plus t qui est égal à f. Nous allons le démontrer ici. Donc ceci est égal à f de f de t. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? Donc je résume ce résultat là. Donc on va l'encadrer. On va l'encadrer, donc on va l'encadrer ici, donc rapidement. Pardon. Donc si t est compris entre 0 et 1, nous avons g étoile g, pardon, g étoile g. 2t est égal à 1 moins t qui est égal à f de 2t. Voilà. Bon, maintenant, on va voir le dernier cas. T appartenant à l'intervalle, donc moins 1, 0. Voilà. Donc, à quoi est égal? Dans ce cas, g étoile g. Bon, si t, donc, vous avez bien, donc, t plus grand, je vais prendre ce cas, t plus grand que moins 1, implique, donc ça implique que t moins 1 demi, t moins 1 demi, ce sera donc, bon, pardon, c'est pas plus grand, donc je vais prendre. Oui, c'est ça. T est plus grand que moins 1. Donc t moins 1 demi, il sera plus grand que. Donc t moins 1 demi, il sera plus grand que moins 1 demi, moins 1 moins 1 demi. Donc c'est moins 3. Moins 3 demi. Maintenant, si t est inférieur à 0, donc implique. Et bien sûr, il faut prendre ici t plus 1 demi aussi. T plus
un demi, il sera plus grand. Donc, moins un demi plus un demi, c'est moins un demi. Moins un demi. Bon, maintenant, si t est plus petit que 0, nous avons t moins un demi. Donc, il sera donc inférieur t moins un demi. Donc, il sera inférieur à moins un demi. Voilà. Et t plus un demi, t plus un demi. Donc, il sera inférieur à, bien sûr, à. Donc, t plus un demi sera inférieur à 1. Voilà. Donc, on va résumer ça. On va résumer ça dans l'axe. Donc, on a, donc, dans la condition t appartenant à moins 1, 0, nous avons, donc, t. Donc, nous allons commencer par t. T moins 1/2. Donc T moins 1/2. Donc T moins 1/2, il sera. Vous avez ici moins 1/2. Vous avez ici 1/2. Voilà. L'intervalle. Ça, c'est l'intervalle où la fonction G, elle est égale à 1. En dehors, elle est égale à 0. Nous avons T moins 1/2. Nous avons, on va écrire ici moins 3/2, il sera là. Voilà. Donc on va l'écrire en rouge. Moins 3/2, elle est là. Et nous avons, quelle est la valeur donc remarquable d'ici? Donc, bon, t moins 1/2, donc il sera plus grand que moins 1/2, donc il sera là. T moins 1/2, il sera plus grand que moins 1/2, il sera aussi, donc, inférieur à 1/2, donc il sera ici. Ça, c'est t moins 1/2. On va résumer ici. Donc, nous avons T moins 1/2. Il sera compris entre quelle valeur et quelle valeur. La première, c'est T moins 1/2, c'est moins 3/2. Voilà, moins 3/2. Et T moins 1/2, la deuxième. Donc, T moins 1/2, moins 1/2. Entre moins 1/2, entre moins 1/2 et moins 3/2. Entre moins 3. Donc, il est donc plus grand que moins 1/2. Il est plus grand que moins 1/2, voilà. Il est plus petit que moins 3, moins 3/2. Donc, on le trouve ici. Donc, ici. Ça, c'était T. Donc t moins 1/2, il est compris entre moins 1/2 et moins 3/2. Moins 1/2 et entre moins 1/2 et moins 3/2. Donc il est plus petit que moins 3/2. Donc je répète, t moins 1/2, donc il est plus petit que moins 1/2, on va l'écrire, t moins 1/2, il est plus petit que moins 1/2, voilà. Il est plus grand. T moins 1/2, il est plus grand que moins 3/2. Donc ici, il est plus grand que moins 3/2. Donc, moins 3/2. Donc, il est plus grand que, strictement supérieur à moins 3/2. Donc, T moins 1/2, il est compris entre moins 3/2 et moins 1/2. Moins 3/2. Donc, il est compris entre, il est plus grand, donc il est là. Donc, l'intervalle, voilà, l'intervalle. Il est plus grand, strictement, que moins 3/2. Et plus petit que. Et il est plus petit, t moins 1/2, il est plus petit que moins 1/2. Voilà, donc on obtient l'intervalle. Donc, voilà l'intervalle. Donc, ça, c'est. Donc. Ça, c'est la borne ici, t moins 1/2. La borne. T moins 1/2. Donc elle est donc plus petite que moins 1/2. Elle est plus grande que moins 3/2. Donc c'est pour la borne T moins 1/2. Maintenant, ça c'est pour la borne T moins 1/2. Pour la borne maintenant, T, regardons ici, T plus 1/2, T plus 1/2. Donc T plus 1/2, elle est plus petite que 1/2. Donc elle est là. Pardon.
Donc t plus 1/2. Il est plus petit que 1/2. Voilà. C'est cette valeur-là. Voilà, cette valeur-là. Et il est plus grand que moins 1/2. T plus 1/2 est plus grand que moins 1/2. Donc ici, on a moins 1/2. Et plus petit que t plus 1/2. Voici les bornes. Voici les intervalles de t plus 1/2. Donc entre. Donc je vais donc l'écrire en rouge ici, donc en rose. Donc t plus 1/2, il est compris entre moins 1/2 et 1/2. Entre moins 1/2 et 1/2. Donc il est là. Strictement, ça c'était plus 1/2. Voilà. Je résume. Lorsque t appartient à l'intervalle moins 1, 0, t moins 1/2 et t plus 1/2, donc ce sera cet intervalle. Donc je vais l'écrire en vert. Donc je vais donc le souligner en vert. Voilà. Voilà l'intervalle. T moins 1/2, t plus 1/2. Donc lorsqu'on intègre, maintenant lorsqu'on intègre, bon, je vais effacer ça. Je vais effacer tous ces calculs-là, donc dans l'intégration. Qu'est-ce qui reste dans l'intégration? Bon, nous avons, si t appartient à moins 1, 0, donc nous avons g étoile g de t, nous avons dit ceci est égal à l'intégrale entre t moins 1/2 jusqu'à t plus 1/2, donc g de v dv. Qu'est-ce qu'il reste dans cette intégration? Donc, ceci est égal à. Donc 2k moins 1/2. Donc, la fonction g est égale, g de v ici, est égal à 0 dans cet intervalle-là. Il est égal à 0. Donc, il reste de moins 1/2 jusqu'à, donc, est égal à, donc, cette intégrale est égale de moins 1/2, voilà, jusqu'à t plus 1/2, t plus 1/2, g de v, dv. Ceci est la fonction g dans cet intervalle-là, donc dans cet intervalle-là, elle est égale à 1, elle est égale à 1. Donc ceci est égal à, donc ceci est égal à, ceci est égal à l'intégrale de moins 1/2 jusqu'à t plus 1/2, dv. Et ceci est égal donc v entre moins 1/2 et t plus 1/2. Donc ceci est égal à, donc ceci est égal à, donc t plus 1/2 moins 1/2, c'est-à-dire plus 1/2. Ceci est égal à 1 plus t, qui est égal à f de t. F de t, la fonction f de t, est égale à 1 plus t, si t appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc finalement, on a démontré, donc finalement, conclusion, la conclusion générale, je vais l'écrire en bleu, nous avons quel que soit t, appartenant à R, nous avons démontré que G étoile G en tout point T, elle est égale à F de T. Voilà donc la conclusion sur laquelle on est arrivé. Voilà. Bon, on nous dit ici la question numéro 3. Vérifier que F est égal à G étoile G, donc on l'a fait. Retrouver le résultat de 2. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé la transformée de Fourier de f. On l'a trouvé en fonction de f'. Maintenant, on va retrouver le résultat de 2. C'est-à-dire, on va calculer la transformée de Fourier de f. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, rapidement. La dernière question, la question numéro 3. Donc la question numéro 3, donc nous avons 3.
On a démontré tout à l'heure, donc question numéro 2, que G étoile G est égal à F. Donc ceci m'implique, d'après les propriétés de. Donc nous avons F transformé de Fourier de G étoile G est égal à. Donc est égal à. Donc d'une part est égal, puisqu'on a égalité, est égal à. Propriété donc de la transformée de G étoile G donc est égal à F point G multiplié par F point G c'est-à-dire est égal à grand F de G au carré et ceci aussi est égal à donc grand F de petit F. On a calculé déjà la transformée de F. Donc on va vérifier maintenant. On a trouvé. Donc on a trouvé. On va calculer d'abord grand F de G. On a trouvé la transformée de F. La fonction G, on la connaît. Donc je vous rappelle qu'on va la retrouver tout à l'heure. Donc la transformée de Fourier de G, donc on la connaît. C'est quelle fonction? On va la retrouver. Donc voilà. C'est la fonction, voilà. Voilà. Voilà, c'est cette fonction-là. Donc c'est la fonction. Voilà, pardon. La transformée de Fourier de G au point S, donc, est égale à sinus pi S divisé par pi S. Voilà. On va rapidement donc retourner. Voilà, on y arrive. Voilà. F de G au point S, on sait à quoi est égal ça. C'est égal à sinus pi S divisé par pi S. Donc on obtient grand F, par conséquent, grand F de F est égal, donc on a dit est égal à grand F, enfin au point S. Est égal à grand F de F au point S, le tout, pardon, alors, est égal à grand F de G donc, au point S, le tout au carré. Et donc ceci est égal à sinus carré pi S divisé par pi au carré S au carré. Et c'est le même résultat, donc c'est le même résultat. On a trouvé donc ce résultat, donc tout à l'heure, dans la question 2, je vous rappelle, donc c'est le même résultat qu'on a trouvé. On a calculé déjà grand F de F en utilisant la dérivée. Donc en utilisant la dérivée. Donc juste on le remarque ici, voilà. On nous dit retrouver le résultat, donc voilà le résultat qu'on a trouvé. Donc en calculant la dérivée. Grand F de F prime, on a trouvé 2i pi s, grand F de S. Ça implique que grand F de F de S est égal à F, grand F de F prime divisé par 2i pi s. Et on a trouvé donc sinus pi, donc on a trouvé sinus carré pi s divisé par pi 2 s2. C'est le même résultat. Donc on a retrouvé ce résultat par une autre méthode qui est la méthode de G étoile. G, en utilisant donc le produit de convolution. Voilà donc pour cet exercice. Donc c'est ça. Donc on a terminé cet exercice. Maintenant on passe à un autre exercice.